Ma spécialité, ça reste le montage floral. C'est pour ça que j'ai suggéré un montage pour ici. Et c'est aussi pour un petit peu partager ma passion. Donc, je donne des cours d'art floral depuis 3 ans maintenant. Et c'est sur le même principe. On le fait au magasin, c'est vraiment dans une ambiance très relaxe. Vous avez peut-être dans l'idée de faire un bouquet, quelque chose. J'ai préféré plutôt le montage, on va utiliser la mousse florale. Super, super ravi, vraiment ravi. Ça s'est très très bien passé. Je suis agréablement surpris parce que j'ai vu des choses très 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 belles. Vraiment de belles réalisations. Le plus abouti, le plus fini, c'est celui de Joël. Il est vraiment dans mon style. C'est un montage que je pourrais mettre au magasin sans hésiter. J'ai été vraiment aussi surpris par celui de Michael, parce que je m'attendais à justement, peut-être un a priori, que ça allait être vite fait comme ça. Eh bien non, il a pris le temps, il était concentré. Et il a fait vraiment quelque chose de très très beau aussi. Donc évidemment, au niveau du Alors, celui qui s'est amusé le plus, on va dire ça comme ça, c'est Thomas évidemment, qui est parti sur un délire floral central et qui manquait un peu de maintien, je dois dire. Parce que c'est un montage intransportable en voiture. Et ben je mettrais 9 sur 10 pour Joël, sincèrement, parce que je le trouve vraiment très très fini. Et après, ex aequo, 8 sur 10 pour Michael et pour Sophie. Parce qu'il y avait beaucoup de créativité, surtout pour celui de Sophie. Elle est partie aussi dans un autre univers et j'ai eu un peu peur. Tout était caché, toute la technique, et tout était vraiment bien fini aussi. Donc chapeau quoi. Alors celui de Thomas, il sera coté, allez, 7 sur 10. C'est bien gentil. Il nous a bien fait rire et ça apporte aussi beaucoup. Ça fait du bien aussi. Vas-y, continue avec ton truc. Qu'est-ce qu'il est venu? Où est le sable noir?